chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue, quel que soit là où vous êtes, enfin, je salue la nation tout entière. Et je suis l'évangéliste Marie-Claude Boucaud. Je vous envoie le bonjour de la Guadeloupe, puisque je suis de l'île de la Guadeloupe, ce beau continent nous avons un beau soleil. Même si nous sommes envahis de brume, de sable et de sargasses, c'est la nature qui suit son cours. Mais nous disons merci Seigneur parce qu'il nous donne la vie, il nous donne la paix, il nous donne le bonheur. On ne peut que s'en réjouir. On ne peut que s'en réjouir. Nous ne devons pas donner gloire à l'ennemi de notre âme. Et c'est pour cette raison que ce matin, je tiens à ce que nous passions un moment formidable dans la présence de Dieu. Un moment formidable dans la présence de Dieu où nous puissions réveiller le leadership qui est en nous, le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons prier. Nous allons demander pardon à Dieu, à commencer par moi. Éternel Dieu de grâce, Papa, Jéhovah, toi qui vis et règne au plus haut des cieux, nous voici devant toi pour te donner toute la gloire. Tu nous connais, tu connais nos cœurs, tu connais les fardeaux que nous portons. Nous sommes venus pour te donner tous ces fardeaux, tous ces soucis. Que tu puisses les prendre, que tu puisses nous en débarrasser de la même manière qu'à la croix tu t'es livré pour nous débarrasser de nos iniquités. Nous te remercions, Père. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, moi, pour moi, pardonne-moi. Je te demande pardon pour mes enfants, pardon pour ma famille. Pardon, Seigneur, pour mon papa biologique, tu es mon papa céleste. Oh, papa, bon Dieu, je t'adore. Je t'adore. Et je mets ce matin tout entre tes mains. Tu connais la vie de mes frères et sœurs. Tu connais la vie de ton peuple. Le désir de leur cœur, leurs projets, leurs rêves. Ce matin, je plaide en ta faveur pour eux. Je dépose tout à tes pieds. Prends tout pour toi, Seigneur. Libère-nous de tout chaîne. Libère-nous de tout joug, Seigneur mon Dieu. Parce que, Seigneur, à la croix, tu nous as libérés. Mais le cœur de l'homme est tortué. L'homme se recontamine tout seul. Mais Seigneur mon Dieu, donne-nous, tu nous as donné l'antidote de la mort. Mais donne-nous la force, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour pouvoir nous désinfecter à chaque moment. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur parce que tu es celui qui fait. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le plus grand des leaderships qui vit en nous. Le Saint-Esprit que nous avons laissé s'endormir, mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de le réveiller en chacun de nous, de la même manière, Seigneur, mon Dieu, que tu as interpellé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tes disciples, Seigneur. Tu les as interpellés, Seigneur. Tu as interpellé Job. Tu lui as dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Et Seigneur, mon Dieu, moi, c'est notre erreur, Seigneur, mon Dieu, moi. C'est notre erreur, Seigneur. Oh, de ne pas commander le jour, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, nous dormons, Seigneur. Tu nous donnes les ténèbres, l'obscurité. Tu permets au corps de se reposer, Seigneur. Mais Seigneur, donne-nous cette volonté, Seigneur, pour appeler la lumière en chacun de nous, parce que cette lumière est en nous.
Cette lumière est en nous. Quand l'interrupteur est éteint, Seigneur, donne-nous la volonté, Seigneur, pour l'allumer, Seigneur. Donne-nous la volonté, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour allumer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce feu que tu as mis en nous chaque matin, chaque jour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Le jour est à toi, Seigneur. La nuit est à toi, Seigneur. Tu fais ce que tu veux, Seigneur. Tu nous protèges, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tes anges nous protègent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui as créé, Seigneur, le soleil, Seigneur, mon Dieu. Cette lumière que nous avons en ce moment, Papa. Nous te louerons, ô Éternel. Nous louerons ton Saint-Nom. Nous louerons ton Saint-Nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui as fondé la terre. Nous te bénissons pour la terre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, donne-nous l'intelligence, Seigneur, pour comprendre, Seigneur, ta parole. Donne-nous l'intelligence, Seigneur, pour comprendre ta parole. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui fait, le Dieu qui pourvoit, Seigneur. Tu es le grand pourvoyeur, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, mon Dieu, ce matin, Seigneur, mon Dieu, nous voulons, Seigneur, réveiller ce leader, Seigneur, mon Dieu, que nous avons laissé endormir en chacun de nous. Nous voulons le réveiller selon ton plan, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Selon ton plan en chacun de nous, Seigneur. Oh, Papa, Papa, nous disons bienvenue, cher Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Bienvenue, Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens habiter en nous. Bienvenue, Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Tu es l'eau de vie, la source qui ne tarit. Consolateur, conseiller, prends le plein contrôle. Tu es l'eau de vie, la source qui ne tarit. Consolateur, conseiller, prends le puissance, viens habiter en nous. Ô cher Saint-Esprit, consolateur, viens nous consoler. Toi le bon conseiller, viens nous conseiller. Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu créateur, nous attendons à toi. Toi, notre guide. Toi, notre paraclet. C'est toi qui nous conduis en toutes choses. Conduis-nous. Conduis-nous. Nous sommes sur le chemin. Déblaye. Déblaye toute muraille, toute forteresse qui vienne s'opposer à nous. Nettoie, nettoie, ô Père, lave-nous de ton sang. Ton sang si cher qui a coulé à la croix, nous avons besoin
Nous avons besoin d'être nettoyés. Nous avons besoin d'être désinfectés. Nous avons besoin d'être lavés. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire, gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu créateur. Louange, gloire. Éternel, notre Dieu de gloire, il est juste, il est excellent, il est majestueux. Il est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris. Et il le sauve. Psaume 145, chapitre 17, verset 19. Oui, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Et quand on l'appelle sincèrement, il nous répond. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons un leader en nous. Mais il nous suffit de le réveiller. Car selon le plan de Dieu, le meilleur est en nous. Mon frère, ma sœur, le meilleur est en toi. Le meilleur est en moi. Nous avons Christ en nous. Alléluia. Celui qui vit en nous, nous pouvons le dire haut et fort, est plus fort que celui qui vit dans le monde. Selon le plan de Dieu, chacun de nous a un leader. Dieu n'a pas créé des perdants, mais des leaders. Je voudrais vous encourager ce matin d'être un leader, alléluia, un leader pour la gloire de Dieu. Nous sommes des leaders même chez nous, mais pour la gloire de Dieu, c'est ce premier talent que nous devions avoir. Bien-aimés, je vous encourage, je nous encourage de réveiller dans la prière ce leader. Je vais mettre tous les leaderships que Dieu a élevés pour sa seule gloire. Je les mets entre les mains de Dieu. Et je demande au Seigneur vraiment de les fortifier, de les encourager dans leur mission, de les encourager dans la tâche qu'il leur a donnée, de ne pas permettre, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'ils laissent leur hache, Seigneur mon Dieu, qu'ils perdent leur hache et qu'ils gardent seulement les manches. Ô cher Saint-Esprit, tu es là, c'est pour abattre. Mais principalement, je mets mon leader, le leadership que Dieu m'a donné sur terre, le bishop Eli Lizikambala, entre ses mains. Je lui dis merci. Merci pour la vision qu'il lui a donnée. Merci Seigneur mon Dieu pour la vision du réveil qu'il a mis dans son cœur. Merci pour l'amour des âmes qu'il a mis dans son cœur. Merci pour cette télévision qu'il anime pour le bien de tous. Garde-le. Garde-le fidèle à toi, Seigneur mon Dieu. Je mets ces projets entre tes mains. Que tu puisses, Seigneur, débloquer toute situation que l'ennemi de son âme, Seigneur mon Dieu, est en train de mettre. Que tu puisses, ô cher Saint-Esprit, abattre toute mauvaise arme sur son chemin. Que tu lui donnes la clairvoyance. Que tu lui donnes un esprit clair. Que tu lui donnes la sagesse, l'intelligence. Je te prie, Seigneur, sa santé, que tu le visites
de la tête jusqu'aux pieds. Que tu le guérisses de tous ses maux. Que tu guérisses son cœur de toutes blessures. Et Père éternel, que tu le relèves. Tu lui as donné une mission. Bénis toutes les assemblées, Seigneur. Toutes les assemblées, Seigneur, qu'il a ouvertes, Seigneur, mon Dieu, pour ta seule gloire. Bénis l'assemblée du Moule. Bénis tous les frères et les sœurs, tous les amis, Seigneur, mon Dieu, roi. Fais grâce. Je mets l'assemblée de Bergevin entre tes mains. Fais grâce. Je bénis tous mes frères et sœurs. Oh, je porte l'Église devant ton trône, Seigneur. Je mets l'Assemblée de la France entre tes mains. Bénis la France, bénis le Seigneur. Bénis tous ceux qui pileront le seuil de cette Assemblée. Que la bénédiction les suive. Et que, Seigneur, à chaque fois qu'ils rentreront, qu'ils ne repartent pas comme ils sont venus. Si tu vois qu'il y a du désordre, Seigneur, quel que soit, Seigneur, mon Dieu, le lieu, tu es un Dieu d'ordre. Mets l'ordre, Seigneur. Mets un esprit de prière, Seigneur, dans le cœur de ton peuple. Un esprit de réconciliation, un esprit de pardon. Parce que Papa, tu nous as fait grâce, tu nous as protégés, tu nous as mis à l'ombre de tes ailes. L'ange de la mort est passé, ne nous a pas touchés, ne nous a pas emportés. Maintenant, Seigneur, tu nous permets, à travers toutes ces épreuves, de prendre conscience, Seigneur, combien tu es grand, comment la vie est belle avec toi. Merci, Seigneur, pour tes anges qui sont autour de nous. Oui, qui nous protège contre toute chute. Merci, Papa. Merci pour le guide que tu nous as donné, le consolateur qui vit en nous, qui nous protège, qui nous conduit dans toute la vérité. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci. Merci, Papa. David a dit dans le psaume 145 au chapitre 17, verset 19, l'Éternel est juste. Oui, Éternel, tu es juste et bon dans toutes tes voies. Tu es juste et bon, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es miséricordieux dans toutes tes œuvres, Seigneur. Tout est fait avec amour. Tu es près de tous ceux qui t'invoquent. De tous ceux qui t'invoquent avec sincérité. Ce matin, Seigneur, je t'invoque avec ce cœur de sincérité. Afin que tu puisses accomplir mes désirs, Seigneur. Parce qu'il est écrit au chapitre 19, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Entends leur cri et les sauve. Oui, Seigneur. Entends mes cris, Seigneur. Entends mes cris, Seigneur, mon Dieu, pour ton peuple, Seigneur. Permets, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous te craignions. Que nous n'ayons pas à avoir peur de toi. Comme dans le passé, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu fouettard, mais nous te craignons.
Nous craignons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous craignons, Seigneur, mon Dieu, quand nous sommes tentés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quand nous tombons dans la tentation. Mais que nous te craignons, Seigneur, et que nous faisons marche arrière. Seigneur, quand nous avons un manque de pardon, Seigneur, mon Dieu. Un manque de pardon, que tu puisses nous délivrer, Seigneur, délivrer nos cœurs, Papa. Merci, Papa. Merci pour la crainte, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est chaque jour, chaque matin, Seigneur. Quand nous nous levons, Seigneur, quand nous devons lever nos yeux vers toi, Seigneur, mon Dieu, vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et je déclare ce matin que l'Éternel ne permettra pas que mon pied chancelle. Déclare cela. Et nous disons merci au Seigneur. Nous lui sommes reconnaissants. Reconnaissants pour la vie. Nous pensons à tous ceux et toutes celles qui sont en difficulté, en grande difficulté par rapport au COVID-19. Je dis à chacun et chacune de nous, surtout nous les chrétiens, nous devons être obéissants aux autorités. Nous devons faire attention. Attention aux ordonnances qu'ils nous donnent pour pouvoir nous protéger. Nous devons nous respecter, respecter notre santé afin de protéger ceux qui sont autour de nous. Bien-aimés, beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas en parler, mais COVID est là. Sa force, il a perdu sa force, mais il est là. Et nous ne savons pas pour le retour. Il est là, il est envieuse pour certains pays, mais il est là. Alléluia. Et comme nous le constatons, que nos assemblées sont ouvertes. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de venir dans les assemblées puisque les règles d'hygiène sont respectées. On n'a pas à avoir peur. Je comprends ceux qui hésitent pour le moment. C'est normal. Parce que COVID a fait entrer une peur et beaucoup de gens sont anxieux. Mais à vous qui ne pouvez pas vous déplacer, aux personnes âgées, vous qui êtes jeunes, vous pouvez mettre la prière en direct pour eux, mettre le culte en direct pour eux, ne pas les laisser mourir spirituellement dans leur coin. Nous sommes en plein déconfinement. Il y a beaucoup de structures qui ne sont pas encore ouvertes. Nous avons la grâce de recommencer à fonctionner, de recommencer à vivre spirituellement. COVID-19, nous constatons qu'il a laissé des traces. Mais des traces indélébiles. Parce que ça sera écrit dans les annales, dans l'histoire.
Il a laissé un vide. Ce vide appelle à un changement, à un redynamisme dans tous les secteurs. Parce que l'économie s'était arrêtée, bien-aimée. La vie s'était arrêtée. Mais Dieu ne s'arrête jamais. Alléluia. Le Saint-Esprit est toujours vivant. Notre leadership est toujours vivant en nous. Il ne s'arrête jamais. Pendant 2 mois de confinement, eh bien, nous étions livrés à nous, mais nous devions nous occuper l'esprit. D'accord? C'était pour notre bien le confinement et là, pour la protection des uns des autres. Nous avons eu à respecter les distanciations, les barrières de sécurité. Jusqu'à ce jour, nous devons mettre les masques. Alléluia! Nous devons mettre les masques. Les masques, ils protègent déjà nos 5 sens et empêchent le virus, empêchent les postillons de nous infecter. Parce que ce virus, nous voyons qu'il est aéroporté et manuporté dans l'air et les mains. En prenant conscience des dégâts occasionné par ce virus, nous voyons, il a attaqué l'homme par des points importants. À commencer par la main. D'accord? La main. La Bible dit, Dieu veut que nous élevons les mains pures devant lui. C'est parce que l'ennemi de notre âme ne veut pas que nos mains soient pures. Alléluia. Il ne veut pas que nos mains soient pures pour les élever vers notre Dieu. Nous lisons dans 1 Timothée 2 au chapitre 8, parole de l'Éternel. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alléluia. Sans colère ni mauvaise pensée. Parce que déjà, quand tu es en colère, tu n'es plus pur. Alléluia. Tu dois te sanctifier, tu dois te purifier. Et c'est le pourquoi on nous impose le lavage des mains. Bien que nous le faisons auparavant, mais beaucoup moins. Mais maintenant, à tout moment, chaque minute, on doit se purifier. Alléluia, purifier les mains. Ce sont ces mains qui ont été attaquées. Il était très important et il est toujours de pratiquer souvent ce lavage des mains. Les purifier, bien-aimés. Dieu veut que nous élevons les mains pures devant lui. Ensuite, comme il est dit, si les mains sont infectées, nous touchons à la bouche, eh bien, le virus passera par là. Quelles sont les paroles qui sont sorties de votre bouche? Alléluia. La bouche, c'est de là que sort la parole qui provient du cœur. Des paroles de colère, parce que pour la bouche, pour avoir une bouche sanctifiée, nous devons savoir quelles sont les paroles qui sortent dedans. On ne peut pas avoir une bouche, une langue sale. Et croire qu'on vient implorer l'Éternel, qu'on vient nous réclamer grâce. Quelles sont les paroles qui sortent de votre bouche aujourd'hui? Des paroles de colère, de méchanceté, de mépris, de mensonge, ou alors des paroles de remerciement, de bénédiction, d'encouragement, de reconnaissance à Dieu. Alléluia. Ceci dit que dans la Bible, nous allons voir ce que dit Salomon. Dans la Bible, il dit,
Le sage tourne sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Avant, autant dire que l'idée du sage qui réfléchit avant de parler remonte à loin dans le temps. Alléluia. Remonte à loin dans le temps. Pour que notre bouche soit sanctifiée, quel que soit ce qui arrive, c'est sûr que l'ennemi de notre âme mettra des épreuves devant nous, des gens devant nous, pour que nous puissions nous mettre en colère. Mais prenons le temps. Prenons le temps avant de répondre, parce qu'il est écrit que l'on doit tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler. La bouche, c'est un canal que le virus utilise, alléluia, il l'utilise pour pouvoir entrer, nous infecter. Il est certain que tourner sa langue dans sa bouche empêche de parler, contrairement à se frotter sept fois l'œil ou à se mettre sept fois le doigt dans le nez. Nous voyons encore le deuxième organe, il touche un autre organe qui est les yeux. Nos yeux, nous avons des yeux pour voir. Nos yeux sont la lampe de notre corps. Matthieu 6, 22, il est écrit, l'œil est la lampe du corps. Si ton corps est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Verset 23, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nous devons faire attention à nos yeux parce que c'est la lampe de nos corps. Nos yeux aussi, nous devons les soigner. Alléluia. Médicalement, surtout les gens qui sont diabétiques. Quand on est diabétique, on doit faire attention à ses yeux. Mais nous sommes en train de voir l'importance de nos organes spirituellement au niveau de la Bible. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, que vraiment les mains sales, les mains non désinfectées, le port du masque, ne devront pas toucher la bouche. Nous ne devons pas toucher les yeux. Nous ne devons pas toucher le nez. Alléluia. Nous voyons que le nez, c'est de là où sort notre souffle. Alléluia. Entre et sort. Alléluia. Alors, faites avec moi. Ramasse de l'air, en remplit les poumons et on relâche l'air, on relâche l'oxygène, on relâche le CO2. En faisant ces exercices de respiration, cela alimente notre cerveau, cela nous permet d'aller mieux, surtout dans les moments d'angoisse, d'anxiété. Ce n'est pas pour rien que Dieu a formé l'homme et qui lui a donné le souffle de vie. Genèse 2 au chapitre 7 nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je vis parce que si je n'arrive plus à avoir ce souffle, eh bien, c'est la mort. Tout s'arrête. Et quand quelqu'un est mort, ça veut dire que le souffle s'en va. Et c'est le corps qui reste avec tous ses organes. Le corps, tous ses organes. Alléluia. Le corps, ce que nous voyons, c'est une enveloppe. D'accord? Qui maintient nos organes. Mais le souffle véritablement, c'est le premier. Alléluia, c'est le premier.
Il a formé l'homme de la poussière de la terre et il souffla de ses narines. L'homme devint un être vivant. Et Job nous dit au chapitre 27, verset 3, « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, alléluia, je vivrai, je ne mourrai pas, parce que nous avons vu, la Bible témoigne de l'état que Job était. » Alléluia. Ce que les plaies qu'il a eues, l'ulcère qu'il a eues, comment il était, la Bible nous le témoigne. Alléluia, il nous fait mourir. Mais il a dit, non, aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans moi, dans mes narines, alléluia, je vivrai. Amen, amen. C'est ce que toi aussi tu dois dire. Et Isaïe nous dit au chapitre 2, verset 22, cessez de vous confier en l'homme. Alléluia. Cessez de vous confier en l'homme. Dans ses narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? L'homme, quelquefois, se sent tellement fort, tellement supérieur, tellement tout-puissant, comme un bulldozer. Mais il doit savoir qu'il a un souffle. Alléluia. Un souffle. Et à travers cette pandémie, il n'y avait pas de grand homme ni de petit homme. Tout homme était homme. Et tous passaient par le même chemin. Tout homme a eu peur. Tout homme a été angoissé. Tout homme a été anxieux. Alléluia. Tout homme a été anxieux. Alléluia. Mais nous voyons que tout ce que, sur le plan médical, les instructions qu'ils nous ont laissées étaient importantes pour nous. Par respect pour nous. Et par respect pour ceux qui sont autour de nous. C'est le pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas dire que nous prions, que nous sommes protégés. Oui, nous sommes protégés par Dieu. Mais l'ennemi de notre âme, il n'a pas de combine avec qui que ce soit. Quand tu es dans la désobéissance, eh bien, il t'attaque. Et tout cela, c'est pour pouvoir amener l'homme à un changement, à se mettre au travail, porter des projets, continuer à travailler. Alléluia. Continuer à travailler avec une discipline spirituelle. Parce que nous avons vu que pendant ce temps de confinement, tout le monde priait. À un moment, il n'y avait même plus de Bible dans les magasins. À savoir aussi, comment prier? On n'achète pas de Bible, on le laisse ouvert sur son climatiseur, dans son WC, dans chaque coin de la maison, alléluia, dans sa chambre. Non, quand on a une Bible, c'est pour lire, c'est pour méditer la parole. Et à travers la parole, nous apprenons à être en contact avec notre Dieu, en communion avec Dieu. Nous apprenons aussi à prier. Et cette discipline spirituelle veut que nous nous unissons, que nous travaillons côte à côte pour avancer, que ceux et celles que Dieu a prêté des talents et des dons se manifestent vers leur leadership. Alléluia. Le leadership d'une assemblée a le droit de prendre en considération les projets. Si un disciple se lève, apporte un projet, il a le droit de prendre en considération, de l'étudier, d'accord? De l'étudier et de faire avec. Alléluia. Tout ça, c'est pour développer l'assemblée. Une assemblée n'est pas constituée d'une
une seule catégorie d'hommes, mais c'est de l'Église. Alléluia. C'est qu'il y a une politique que nous devons changer, c'est-à-dire faire alliance autour d'une table pour réfléchir ensemble, pour faire évoluer ce dont nous défendons et ensemble défendre notre assemblée pour une redynamisation après COVID. Avant COVID, il y a peut-être eu des lacunes, il y a peut-être eu du désordre. C'est quelle que soit l'assemblée, c'est toutes les assemblées qui sont comme ça. Alléluia. Toutes les assemblées ont leurs problèmes pareils. Alléluia. Mais nous devons savoir aussi que ne pas divulguer ce qui se passe à l'intérieur. Il y a un proverbe créole qui dit que le pays sale doit se laver en famille, mais il doit se laver bien avec de l'ordre. Alléluia. Et être bien repassé pour pouvoir avancer. Tout ce que je sais, c'est que chaque disciple a un potentiel qui réside au plus profond de son cœur. Chacun de nous, ce potentiel est agréable. Alléluia. Agréable. Parce que si nous prenons conscience du don qui est en nous, eh bien, nous allons faire encore plus pour être agréable aux yeux de Dieu. Nous serons encore plus dévoués. Nous n'allons pas dire, il n'y a pas d'amour, je pars, je reste chez moi, je prie chez moi. Je ne veux pas voir les autres. Mais le Seigneur a dit que nous devons être en communion. Et Dieu dit, là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Quand on n'est pas animé de confiance en soi, on ne peut pas être à l'aise en toutes circonstances, ni en la réalisation de ses rêves. La confiance en soi, c'est avoir foi en soi-même. Et quand j'ai la foi en moi, je peux transporter une montagne. Je peux déplacer cette montagne. Je peux passer outre de ce que l'ennemi viendra mettre devant moi. Je dois croire aux ressources qui sont en moi. Tu dois croire aux ressources qui sont en toi. C'est quand j'aurai la foi en moi pour faire face à ce qui va arriver que je pourrai me sentir bien. Je pourrai m'asseoir et je pourrai dire, Seigneur, me voici. Tu m'as appelé. Je suis prête. Je veux aller de l'avant avec toi. Je veux avancer avec toi. Mais même dans ton entreprise, où là tu gagnes ton pain de chaque jour, tu dois avoir ce comportement. Alléluia. Être confiant. Avoir confiance en toi. D'accord? Et ce message ne s'adresse pas à une personne. Ce message s'adresse à moi ce matin. Et s'adresse à la nation. Quel que soit votre degré, timide ou pas, réceptif, tu dois accepter d'être boosté. Alléluia. Et c'est ce que nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas d'être boosté parce que nous connaissons tout. Oui,